Ok, on va arrêter la musique tout de suite. Stop. Bon. Alors bienvenue sur théâtre 333 en direct. Alors oui, en direct que te. Alors je suis en direct ici Hermès ou Stéphane, toujours pour les intimes. Je suis de plus en plus intime avec vous. Je vous conte toutes mes histoires. C'est à ça que vous vous attendez Quand <laughs> Quand vous suivez mes directs ou mes vidéos préenregistrées. Vous vous attendez à ce que je vous conte mes histoires. Donc, on va commencer par mes histoires parce que bon, j'en ai toujours. Parce que c'est ça notre vie. C'est une grande, c'est une longue histoire. Un peu comme l'histoire de l'humanité que l'on vit avec tous ces rebondissements. En ce moment, en tout cas, on a de quoi jaser avec ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que ça m'inspire. Tout d'abord, je vais parler de ma vie à moi. Euh, comme vous savez, oui, j'ai pas bu d'alcool depuis janvier, fin janvier. Là, j'ai eu une petite tricherie, mais c'est correct. Je vais vous expliquer. C'est sûr, j'ai eu un parté mardi dans la semaine, la semaine qui vient de passer, mardi soir. Et. J'ai bu une bière qui était sans alcool, mais je ne savais pas qu'elle était 0.5. Donc, elle m'a donné un petit peu de feeling. Vous imaginez, quand ça fait six mois que tu n'as pas bu une goutte d'alcool, c'est sûr que c'est feeling un petit peu. Mais c'était pas grave. Puis, pour couronner le tout, il euh, y a une collègue de travail qui m'en a donné une parce que bon, elle était en surplus dans le stock. Fait qu'elle m'a donné une bière. Quand j'ai vu l'image à la Canette, Là, j'ai dit mon dieu, c'est la tentation du Christ. Elle m'a tenté, mais ce soir, je l'ai bu. Elle c'est une quoi C'est une combien de pourcent Une 5%. Donc j'ai bu une bière 5%, vraiment là, une vraie bière depuis la fin janvier 2023. Donc quand même. Puis j'ai eu le temps de la de la flocher, j'ai bu beaucoup d'eau, j'ai été prendre une longue marche dans la forêt, je suis allé dans le... après souper, je suis allé marcher. Dans la forêt. Donc, je me suis fait manger par les mouches. Donc, ça m'a dégrisé assez vite, les mouches. Puis, euh, puis toute l'eau que j'ai bu. Donc, je vais vous la montrer parce que moi, quand j'ai vu la canette, elle est belle. Je vais la regarder. Moi, je la trouve belle. C'est une œuvre d'art. Alors, c'est le genre de peinture que je ferais. Je fais plus de peinture, mais c'est mon style. Fait que je vais vous la montrer. dans 10 minutes. <laughs> j'ai fait. Oh! La tentation du Christ. Alors, et, et elle est délicieuse, hein? C'est une bière à la cerise. Alors. Comme je trouve plus de bière à la cerise de la, baie, de la Belgique, euh, ben, j'ai celle-là. Que j'ai goûtée, que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment comme. C'est comme un rosé. C'est comme un vin rosé. C'est vraiment un délice, cette petite bière-là. C'est divin. <laughs> C'est vraiment. oui, c comme le Christ qui, qui, qui est sur cette image, et à la place du cœur, c'est une cerise. Alors euh, voilà, euh, parce que c'est sûr que ceux qui nous gouvernent, ben ceux qui, 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 qui sont dans l'ombre, qui, qui, je sais pas s'il y, y a des entités derrière ça qui sont pas humaines, et ou en tout cas qui inspirent ceux qui sont possédés par eux, qui, qui travaillent pour eux. Et ces gens-là, ils aiment la destruction. Ils construisent, mais après ça, ils détruisent. C'est leur gros fun. Donc, c'est comme, tu un pyromane, ça aime ça, mettre le feu juste pour le fun. <laughs> euh, pour ça que, oui, Firestarter est la chanson appropriée. Je vais la faire jouer dans Polon. L'original, avec... Euh, ben, c'était... Vous avez entendu l'original avec le clip du 11 septembre. Donc, euh, c'est sûr que là, le 11 septembre nous rappelle les mauvais coups qu'ils nous font, puis tout ce qu'ils peuvent nous faire avaler comme, euh, comme histoire à bras Moi, je soupçonne que les avions, c'est des hologrammes. Je suis sûr qu'à déjà en 2001, on était capable de, de faire des images holographiques qui semblent très réelles. Je suis sûr que ça fait longtemps que c'est prêt cette technologie-là. Euh, donc, oui, 2001. Faut pas que je perde ma. <laughs> Moi, j'ai de la misère, je te dis. Je prends pas assez de Lionsman. Il faut que j'en achète en plus grosse quantité puis que j'en prenne plus, je le sais. Euh... <laughs> Là, j'en étais où? Ok, pyromanie. Ben, c'est ça. Comme je disais aux autres, ils aiment détruire. Ils construisent, mais après ça, ils détruisent. Ils mettent le feu. Et, ils, ils détruisent tout à feu et, et à sang. C'est. Des massacres, des... ils se nourrissent de ça, ils aiment ça. Eux autres, ils aiment ça. Ils trippent, ils jouissent. Alors, <laughs> non, non, c'est pas des farces. Ah, oui. Euh... Donc, ça, c'est en 1983, cet album-là. Euh... Donc, c'est vraiment un... un building en explosion. Euh... Donc oui c'est ça 1983 ça a été vraiment leur plus gros album c'est ça qui les a fait... c'est l'album qui les a fait connaître avec Photograph que j'aimais bien dans le temps euh, qui parle de Marilyn Monroe Photograph puis j'aimais bien euh... moi il y avait Rock of Ages dans mes préférés moi c'était ouais Bringing on the Heartbreak était bonne aussi euh, ça avait quand même été un gros hit cet album là donc c'est juste un petit clin d'œil, cette, cette pochette-là. C'est sûr que c'est. On peut parler, oui, de programmation prédictive. Je ne sais pas si c'est le mot français, mais en tout cas. Euh, si on revient bien sûr à nos images satellites que j'ai vues sur TikTok. Donc, ça nous donne une idée. On n'a pas besoin du son, juste voir là. Euh... Ok, non, ça donne pas grand chose. Celle-là, je pense qu'elle est plus claire, ouais. On voit que ça part tout en même temps à un moment donné. Flouch. Ouais. Comme je dis, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. <laughs> euh, tant qu'il y a de la fumée, c'est ça. Euh, il hein, n'y a pas de fumée sans feu, puis il n'y a pas de. de... Il y, a pas de fumester, il y a de la fumesterie aussi. On se fait enfumer. C'est vraiment l'art d'enfumer les gens. Ils l'ont l'affaire aux autres. Les shows de boucan, ils connaissent ça. Ils sont, ils sont bons là-dedans. Oui, c'est comme un, Oui, j'aime bien l'image euh, du cirque. Euh, on est dans un cirque. C'est un cirque, c'est un spectacle. Hein? Ils voulaient danser, chanter, roter, péter. <laughs> ça, ça me rappelle quelqu'un qui dit ça. Je pense à mon ami Denis aujourd'hui. Alors, oui, c'est ça. C'est ça, les artistes. Dans le fond, les artistes de la scène, ils vous ont tout dit. Ils vous ont tout, ils vous ont tout montré. Ils vous ont tout dit. Fait que c'est à vous de lire entre les lignes. C'est à vous de, de décoder. Euh, ils ont tout parlé en symbole. Puis ils ont tout montré.